Coucou tout le monde et bienvenue devant le dernier épisode de Life is Strange Before the Storm. Alors, je dis dernier épisode parce que je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode 3 et que je vais le tourner en une fois. Et vous balancez ça comme ça, même si ça dure plus d'une demi-heure, voilà. Bon, après, si ça dure 45 minutes, je le couperai en deux, mais je pense qu'on arrive vraiment à la fin, là. Donc, voilà. Après, j'ai quand même... après celui-là, je ferai quand même l'épisode bonus, donc c'est pas vraiment le tout dernier épisode. Il y aura l'épisode bonus adieu. Qui racontera la jeunesse de Chloé et Max. Du coup, on va se lancer dans la fin de l'épisode, on va voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va pas trop mal finir. Parce qu'on se souvient tous de la fin du premier Life is Strange, hein? Voilà. Hop! Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous demander, est-ce que les épisodes longs vous posent problème? Parce que moi, je sais que ça me décourage. Je sais que parfois, je regarde, j'ai la flemme. Il y a que les vidéos de Fanta et Bob que je regarde. Parce que, bon, généralement, ça dure 45 minutes, voire une heure. Je regarde, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a certaines chaînes, ça me décourage. Donc, dites-moi. Si vous voulez que j'en reste aux 20-25 minutes. Ou si des fois, je peux me taper des délires et faire ça 30 minutes. Même si c'est plus long pour moi à l'upload après, c'est pas grave. Le matin, ça passe mieux, j'ai remarqué, les uploads. Oui, non, mais fais pas de la merde, regarde où tu vas quand tu conduis. T'es malade, toi. C'est vrai qu'il y a tout qu'à brûler. Mais du coup, la scierie, elle était dans la forêt, elle a pas brûlé. Because Rachel got angry at her dad. Bah ouais. Who's been lying to her? Puisque ça fait la colère, c'est dangereux, hein. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. Ah bon? That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Ah. Oh. Les parents, ils ont tendance à mentir pour protéger leurs enfants. Lies about big things. I mean, the stuff mom doesn't know about me. So you probably lied too. Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure mom would never fall in love with someone like David, too. T'as voulu de remuer le couteau dans la plaie? Elles sont chiantes, tes hallucinations. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So bah how oui. Am I supposed to tell you anything? Je sais pas ce qu'elle prend, mais c'est vrai qu'elle est très bizarre, Chloé, sur ce jeu-là. Allez, roule ma poule. I guess it's better this way, not knowing. Mais oui. Then I'll always be the perfect dad. How many people get to say that? No way. My ride, my tubes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Crazy. Hella crazy.
Pourquoi tu préviens pas les flics? Pourquoi dans ce genre de jeu ou même dans les séries, les jeunes ils veulent tout régler par eux-mêmes? We don't want to miss this. Things are about to get real. Ça va cramer un peu, je crois. Oui, je pense que oui. De toute façon, vu le temps qu'elle s'est autour. Oui, ça a bien cramé. Dire que quelques jours avant ça, il y avait un concert ici. Shit. Is that blood? Je sais pas s'il me reste des tags à faire. Frank? Mais il est pas là. Ou il est pas bien. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. C'est étonnant que ça tienne encore debout, parce que déjà je trouvais ça casse-gueule avant l'incendie, mais alors la laisse tomber quoi. Where the hell is Sarah? J'ai des trucs à ramasser. Déplacer la tôle. Bah, déplaçons la tôle, hein. Ça va être utile. Ah ouais. Est-ce que je peux le taguer? Ah non, j'aurais bien aimé le taguer ce truc-là. Glad to see the bomb made it. N'importe quoi. Le couteau, on va le prendre. Ça peut toujours servir. On sait jamais, hein. C'est dans un état. Par là, je peux même pas remonter. De toute façon, je pense que tu meurs si tu montes. Frank's couch is toast. Bah ouais. Là-bas, on peut pas y aller. Je me doute que c'est par là, hein, mais il y a un panneau là, mais ouais, c'est juste à regarder. No more beer. No more time. Par contre, le téléphone m'intéresse. I've gotta keep moving. Tu peux me croire, je ne suis pas une putain de balance. Qui t'a dit ça, bordel? C'est pas moi. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. Qu'est-ce qu'il fait? I just want to meet my daughter. Can't you understand why does he... Daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. Mais c'est horrible si c'est pas son père qui a vraiment demandé ça quand même. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Allez, allez. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run!
No one has to know. Just let her go, and I won't say... Ah. Ah. Ouais, mais moi, je suis pas une tueuse, j'allais pas tout de suite le taquer. Enfin, moi, je suis pas comme ça, j'aurais peut-être dû... Oh, ça me donnait envie de refaire une partie de mon côté pour essayer d'utiliser le couteau tout de suite, voir ce que ça fait. Oui. You boosted the DA's shit, got my money, burned the evidence. Bah ouais. All that. I'm just. Je tapote. To help. Oh. Get away from her. I said, shut the fuck up. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! Oh. What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on. La, 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 la. Fuck you. Ah, mais pas dans la tête, t'es malade, c'est pas un ballon. Oh là là. Oh là là. Il se passe quoi? Vite, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi. Putain, elle s'en est pris une dans la tête, comme un ballon, quoi. Sarah? Chloe Price. Where's Frank? T'es encore dans un trip chelou, toi aussi, c'est ça? Her demon. Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. J'arrive pas à savoir si elle est dans le monde réel, entre guillemets, ou dans un rêve chelou comme elle fait. Are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry for Rachel. Can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Ah. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that Rachel... can never know. Bah, je suis d'accord, quand même, mais... Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves ça la briserait trop. Father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why tu voulais la rencontrer juste avant? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss.
Bah, j'ai perdu mon père. I lost my father 2 years ago. La douleur de perdre ton père est quand même plus énorme que... Our accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. Je pense que c'est dans le vrai monde, hein, du coup. Mais genre, ils l'ont laissé par terre en mode, ouais, oui. Mais t'as fumé sa clope, quoi. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Gone. T'avais arrêté pendant un an, tu peux recommencer. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I heard what Damon said. You've been sober for a year. You beat this before. You can. Je crois que je suis aussi naïve que Chloé, c'est génial. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I just. I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus violent cet épisode, en fait non, c'est juste le début. Felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect. Mais elle a envie de te connaître. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Rachel, elle veut te rencontrer. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Ça, c'est me prendre par les sentiments. C'est pas gentil, hein. Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. C'est quoi? Te barrer? Disparaître? Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. Après, c'est dur de garder ça secret so aussi. Please, tell her I was never here. Let her have what peace she can. Mais je lui ai promis de te retrouver, tu fais chier quoi. Wait. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Oh, Lolo. On fait quoi du coup? On lui dit ou on lui dit pas?
Je vais être jugée pour mon choix, en fait. Là, c'est le cruel dilemme, là. Oh, il lui a amené sa lampe, c'est mignon. Hello. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. Tout comme vous tous. J'irais bien parler en privé avec son père, moi. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Ah, c'est réveillé. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe alone for a minute? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? We'll be right outside. Vous voulez pas que Sarah, elle s'est barrée de toute façon. Donc si je lui dis pour son père, elle va se sentir complètement abandonnée, quoi. C'est un lourd secret à tenir, mais t'imagines, tu... Enfin... How are you feeling? Ah, c'est compliqué, parce que moi, j'aime pas mentir. Doc says there'll be a sick scar. Maybe another tat is in order. To go with the one you gave me. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? No. We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Est-ce que j'ai le choix ou pas? Rachel, I've got to tell you something. Moi je serais d'avis de la protéger de la vérité. Après je serais aussi d'avis de lui dire, parce que j'aime pas mentir. Mais si je lui dis, elle va vraiment se sentir mal par rapport à son père, quoi. Ça va être un trop gros choc. Et je vais me faire juger pour ce choix. Il y en a plein qui vont dire, ah bah non, elle aurait fait comme ça et tout. Écoutez, moi je vais la protéger de la vérité. Parce que de toute façon sa mère elle s'est barrée. Elle a pas l'air de vouloir la rencontrer. Et si je lui dis, ton père c'est un gros connard, il a voulu faire buter ta mère et en plus il l'a redrogué derrière, et je me suis fait tabasser à cause de lui parce qu'il était pote avec le mec qui t'a poignardé, laisse tomber quoi. Hey. Oh, je vais le regretter. What's wrong? Ça c'est pas vraiment un mensonge. I failed you. Là c'est un mensonge. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. En fait, si, mais ça, tu le sais pas. Mais on essaiera si tu veux. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? On s'approche vraiment de la fin. J'aurais peut-être dû lui dire... Non, ça aurait été... Non. Non. Bon après, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont dû... ont dû choisir ce choix-là. Ou au pire, achetez le jeu et faites votre choix. On peut faire ça aussi. Ah, je crois que j'ai fini. Ouais. J'ai fini. Du coup, ça se passe bien, elle est heureuse. Bon, nous, on culpabilise. Et elle est heureuse, quoi.
le petit chien. Ouais, fini, hein, au moins d'une demi-heure. Je suis plutôt contente. Mon estimation était plutôt bonne. Le petit chien. Elle va faire cuire la bouffe à cause de toi, enfin brûler, hein. Ah, d'accord, ouais, bah oui. C'est pour ça qu'il ne disait rien, ce perso. Ah bah ouais, bah si t'es pas content, c'est pareil. Le phare, le fameux. Si vous n'avez pas fait le premier Life is Strange, je vous le conseille. Hein. Il est souvent en réduction et pas très cher en plus. Vu que vous avez vu l'histoire qui se passe avant, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ou de faire le premier qui est sorti qui se passe dans le futur, allez-y quoi. Tout, 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 tout. Ça, c'est une longue cinématique. Hein. Ah! Elle s'éteint les cheveux en bleu. Le violet. T'as taché tout ton t-shirt quand même, cocotte. Ah, lui apprend à taguer. Oh, c'est bon, c'est une décharge. C'est plaisir quand même. Je pense que du coup, je me demande si on avait raconté Rachel, est-ce qu'elle serait aussi souriante dans cette cinématique? Est-ce que la cinématique de fin serait pas différente? Je pense que tu lui aurais quand même pourri le moral, quoi. On peut passer? Ouais, super. Ah, c'est mitigé. Les gens, c'est très mitigé. C'est quasiment 50-50. Bon, je suis dans la moyenne la plus élevée, mais c'est vrai que je pense que je me referai cet épisode juste pour changer le choix final, voir ce que ça fait. Ensuite.
Vous avez tué la plante avec du soda, ou alors par manque de soins. Donc c'est pareil. Hein. On a accepté la photo, donc comme... pour moi, je suis bien dans la moyenne. Vous n'aviez pas l'argent du coup en début de journée. Ça, c'est... Vous avez joué au jeu de plateau. Vous n'avez pas fait de dons. On peut faire des dons. 0%, vous avez fait un don de 1250. Ah oui, je pense pas, non. D'accord, ouais, donc je suis dans la moyenne. Hein. Rachel a rencontré sa mère, donc j'aurais pu faire en sorte qu'elle la rencontre. Je vais peut-être le refaire de mon côté. Par rapport à mes amis qui ont le jeu. On a fait le même choix. Hop, on a à peu près tous... Ah non, ils ont pas joué au jeu de plateau avec Mickey, c'est dommage ça. Il n'a pas fait de don, ouais bah oui ça... Bon. Ils sont bizarres. Sont marrantes. Ah, ça. Ça, c'est en rapport avec le premier jeu. Ceux qui ont vu le premier jeu, là, vous êtes pas bien. Vous êtes comme moi. Ah. Maintenant que vous avez terminé Before the Storm, il est temps de dire au revoir dans l'épisode bonus. Adieu. On le fera ça là, la prochaine fois. Je sais pas combien de temps il dure. Et on fera ça la prochaine fois. Oh, maintenant c'est tout vert. Enfin, c'est tout beau, tout vert. Tout comme avant que ça brûle. Bon bah c'est terminé, bon un peu plus d'une demi-heure, donc je vais pas couper l'épisode parce que j'avais dit que je le couperais vraiment si c'est trop long et là ça passe on va dire. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.